Moufette, vous avez peut-être déjà vu ces petites bêtes là, la plupart du temps mortes sur le bord de la route. Vous n'en avez peut-être jamais vu dans des appartements. Pourtant, il y a de plus en plus de gens qui en ont chez eux et ce sont des moufettes domestiques. Et on a le plaisir d'avoir Madame Lise Bourassa. Madame Bourassa, vous en avez beaucoup, vous, chez vous, des Oui, moufettes. quelques-unes. Vous en avez même une là que vous avez élevée, que vous avez trouvée même dans le bois et qui vous suit à peu près partout. Absolument, absolument. C'est très facile de les élever et de les domestiquer. Ça a commencé comment, votre histoire d'amour avec vos moufettes? Oh, c'est un accident, mais quand même, j'ai capturé à un moment donné une moufette dans le bois qui était blessée. Je l'ai soignée, j'ai fait opérer. Et puis, je me suis rendu compte facilement que ça pouvait se domestiquer, puis que le comportement était idéal dans la maison. Puis, ça se comportait à peu près comme un chien. Alors, j'ai continué l'élevage, et puis maintenant, ça fait déjà 8 ans que j'en ai une dans la maison. Mais est-ce que ce sont toutes des moufettes que vous avez vous-même attrapées dans le bois? Pas nécessairement, non. J'en ai qui sont nées en captivité, j'en ai importé des États-Unis, et j'en ai capturé moi-même au début de mon Vous élevage. dites importer, est-ce qu'on en fait l'élevage aussi là-bas? Là-bas, on en fait l'élevage pour la fourrure. Ah bon? Oui. Parce qu'on peut utiliser des moufettes pour faire des manteaux, par exemple? Exactement. La Ah. fourrure est de bonne qualité là-bas. Et puis, au point de vue commercial, elle est plus dispendieuse. Oui. Bon. On va parler un petit peu de ces petites bêtes. Là, vous en tenez une dans vos mains. D'abord, elle a l'air blessée, je pense bien, celle-là. Oui. Malheureusement, là, il y a Qu'est-ce un qui lui petit est arrivé? accident. Elle est tombée dans l'escalier. C'est dommage. Mais par contre, elle se débrouille assez bien. Elle est tellement gâtée que elle se débrouille quand même. Ça vient gâter vite, ça. Très, très gâtée parce que la moufette, elle a un caractère affectueux. Et puis, on peut facilement la gâter avec des friandises, lui enseigner des trucs et lui dire. De toute façon, elle écoute facilement comme un petit chien quand on Ah, ça lui se compare parle. plus à un chien qu'à un chat, par exemple. Absolument, absolument. Le caractère d'une moufette se compare énormément au chien. Elle a à peu près la même intelligence. Et est-ce que c'est propre une fois domestiqué, là? Est-ce qu'on peut comparer? Comme je sais que les chats sont très propres, se lavent très souvent. Est-ce qu'on peut comparer? Exactement. Elle se lave comme le chat. Elle a une litière aussi comme le chat. Elle se donne facilement pour la propreté. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Évidemment, on peut se demander si des moufettes comme ça peut mordre. Tantôt, les opérateurs se demandaient, est-ce que ça mord une moufette? Est-ce qu'on peut la prendre facilement? Une moufette domestique, étant donné qu'elle n'a plus sa défense, si elle est bien mal prise, elle va mordre quand même. C'est n'importe quel animal, de toute façon. Mais elle ne mord pas pour blesser beaucoup. Et puis, c'est très, très, très rare que ça se produise. Il faut vraiment qu'elle soit mal prise. La fameuse glande qui fait peur à bien des gens, et avec raison même souvent, c'est quoi au juste là, qui fait qu'elle a un mécanisme de défense là, pour arroser? Tout d'abord, les glandes sont situées de chaque côté du rectangle, qui fait qu'à un moment donné, par le fait qu'elle tape des pieds avant, elle produit une pression qui fait que les glandes s'ouvrent et puis qui arrosent. Et puis, à ce moment-là, bien, elle arrose jusqu'à 10 pieds de distance quand Bon. même. C'est assez imposant. Puis elle atteint son but. Elle atteint son but facilement. Elle est très bon tireur. Et ces glandes-là, est-ce qu'on peut, pour la faire opérer, par exemple, est-ce qu'il y a un temps maximum? À quel âge on peut commencer à les faire opérer? Normalement, une moufette arrose à 2 mois et demi. Moi, je l'ai fait opérer à 2 mois parce que parfois, on peut quand même en avoir qui arrosent avant le temps, ils sont plus précoces. On dit que c'est un liquide qui est tellement fort que ça peut souder ensemble des plaques de fibres de verre comme l'incubateur ou les cages. Oui, ça m'est arrivé à moi, je ne le croyais pas. De toute façon, je ne croyais vraiment pas que ce liquide pouvait être si fort. Mais ça soude quand même deux plaques d'acrylique facilement. C'est vraiment Ah terrible. oui, C'est pour ça c'est que très, très fort. ça reste imprégné sur nous. Quand on se fait arroser, est-ce que c'est vrai qu'il faut mettre notre linge dans le sable et puis prendre toutes sortes de précautions? Ah, mais non, ça, disons que les gens ont toujours pensé que c'était la seule solution, mais c'est le jus de tomate en réalité qui est la vraie solution. Alors, on se lave au jus de tomate, on lave les vêtements, après, on prend une bonne douche et puis on sert la lessiveuse et le tour est joué. Ah, pas plus long que ça. Pas plus long que ça, 1 heure après, normalement, il n'y a plus aucune senteur. Oui. Absolument pas. Vous, ça vous est déjà arrivé? Oui, très souvent. Ça m'est arrivé souvent, oui, mais avec du jus de tomate au galon, il n'y a pas de problème. Oui. Bon, vous conservez toujours vos galons pas très Nécessairement, loin. jusqu'à temps que j'arrêterai de trapper. En captivité, est-ce que ça vit aussi longtemps une moufette qu'une moufette sauvage?
Oui, la moufette va vivre une dizaine d'années en captivité pour la bonne raison qu'elle est protégée. Elle est bien nourrie, elle est bien entretenue, mm-hmm. Il n'y a aucun problème. Alors, elle vit beaucoup plus longtemps si vous comparez avec la vie dans les bois qui est de 6 heures, 7 ans parfois. Ouais. Mais il n'y a pas des mutations qui surviennent parce que quand même, dans la vie sauvage, elle doit utiliser toutes ses armes. Et puis dans la vie privée, si on veut, être très gâtée. Absolument. Est-ce que justement, ça ne provoque pas certaines mutations? Parfois, mais c'est quand même rare. Ouais. Oh oui. De plus en plus, la moufette va se domestiquer, du moins j'en ai l'intention. Mm-hmm. Et puis, il n'y aura aucun problème, absolument pas. Disons que moi, je crois que dans 5 ans, je vais vraiment pouvoir dire et vendre une moufette adulte et pouvoir dire qu'elle est domestique. Mais disons que pour me rendre jusque-là, ce sera uniquement des naissances à captivité mm-hmm. qui pourront m'aider... Parce que vous en avez des naissances but, chez vous. J'ai des naissances à captivité depuis un an, oui. Bon. Ça ressemble à quoi, un petit bébé moufette, quand ça vient au monde? Oh, un bébé moufette, chez les animaux, le bébé moufette est le même, exactement la même forme, ou, excepté que la peau est pigmentée. Mm-hmm. Alors, vous savez dès la naissance la largeur des rayures, des rayures blanches. Ouais. Et puis, vous pouvez le voir facilement sur la peau. On a un petit spécimen ici que vous nous avez apporté, là, évidemment conservé dans le formol. Je ne sais pas si on peut bien le voir. Est-ce que c'est un fœtus, ça, ou si elle est née, cette petite bête-là? Non, cette bête, elle est née, elle a 3 jours. Bon. Elle est morte de quoi, ou juste là, c'est une maladie? Elle est morte ou... de froid, parce que disons que cette naissance-là n'était pas prévue. Et puis, la mère n'était pas préparée... à avoir ses petits. Alors, les bébés ont eu froid et puis Comment les ai perdus. Ça, elle n'était pas prévue? Ce qui arrive, normalement, la moufette naît en mai, parfois au début juin. Et puis, cette portée-ci est arrivée à la fin juillet. Alors, moi, je ne pouvais vraiment pas... Disons que j'ai beaucoup d'expérience à prendre encore aussi. Alors, c'est un accident, c'est un... C'est peut-être pas justement une conséquence de sa captivité, là? Probablement. Parce qu'il y a plusieurs choses quand même qui rentrent en ligne de compte pour l'accouplement et la naissance des animaux sauvages. Mm-hmm. Chez l'animal domestique, il y a moins de problèmes. Mais l'animal sauvage, il y a plusieurs choses. Ouais. Il y a combien de petits par portée? En captivité, nous en avons 3 ou 4 qui, comparativement dans le bois, qui en ont 6, 7. Ah bon, est-ce qu'on a seulement une portée par année? Il y a seulement une portée par année pour le moment. Ah bon. Il y a une petite moufette toute blanche que vous nous avez apportée. C'est ce qu'on appelle un albino, je pense. Oui. Est-ce que ça arrive souvent, ça, d'avoir des moufettes comme ça? Oui, la moufette blanche est quand même facile à avoir. Elle est beaucoup plus facile maintenant à coupler. Et puis, à faire la reproduction qui, comparativement auparavant, on ne réussissait pas tellement chez l'albino. La race est difficile. Ouais. Et puis, maintenant, aux États-Unis, ils ont des élevages complets de moufettes blanches qui fait qu'on peut les avoir très facilement. Vous en gardez des blanches, justement, pour les accoupler et faire des nouvelles... Pour faire du croisement de race et avoir aussi des bébés blancs chez moi. Ah bon? Et les 3 moufettes, les 4, là, parce qu'il y en a une que vous tenez dans vos mains, est-ce qu'elles sont à leur maximum là, concernant leur poids? Exactement. Elles sont à leur grosseur. Leur quantité de gras est parfaite pour l'âge. Mm-hmm. Et puis, il faut quand même faire attention à leur diète pour ne pas qu'elles grossissent trop, justement, parce qu'elles sont gourmandes. Ouais. Et puis, ça mange beaucoup? Ça mange aussi souvent qu'on leur en donne. Qu'est-ce que ça mange? Alors, c'est très gourmand. La moufette mange de tout, le reste de table, nourriture à chien, à chat, n'importe quoi. Mais par contre, pour avoir une nourriture bien balancée, pour leur garder une belle ligne, on leur donne de la nourriture à chien, qui est beaucoup plus balancée et puis qui convient parfaitement d'ailleurs pour ce genre d'animal. Je pense qu'ils ont leur caprice aussi parce que tantôt on essayait de donner un petit morceau de bonbon puis il était un peu trop fort, alors elle a simplement... Elles ont des goûts bien définis en ce qui concerne les friandises, oui. Est-ce que c'est vrai qu'on dompte une moufette beaucoup plus en la caressant qu'en la chicanant? Absolument. D'ailleurs, il est impossible de chicaner ou de taper une moufette ou n'importe quel animal sauvage.
parce que l'animal sauvage, lui, il s'attache beaucoup à un être humain. Et puis, si vous la tapez, ben, à ce moment-là, vous ne pourrez plus le faire écouter, vous ne pourrez plus faire ce que vous voulez avec ou lui enseigner des trucs ou autre chose. Ah bon, parce qu'autant elle peut être affectueuse, autant elle peut se retourner contre le maître. Absolument, absolument. Alors, c'est toujours, si elle fait des choses que vous n'aimez pas, vous la gâtez, vous lui donnez des friandises pour lui changer les idées. Et à ce moment-là, elle va l'oublier tout simplement. Ah bon? Alors, c'est très, très facile d'interdire quelque chose à une moufette. Mm-hmm. Le trapage, vous faites ça comment? Est-ce qu'il y en a beaucoup dans la région ici? Est-ce qu'il faut aller loin pour en attraper? Puis, Non, pas nécessairement. Il y en a partout, partout. Il s'agit simplement de connaître l'endroit où se loge la moufette. Il n'y a absolument pas de problème pour l'attraper. Elle se loge où? Ils ont des trous? Est-ce que ça vit dans des tanières? Sur la pente des fossés, des buttes ou en dessous d'un arbre qui est très gros. Elles se cachent là où l'eau ne peut pas les atteindre mm-hmm. et où elles peuvent avoir chaud aussi. Et est-ce que ce sont des pièges, là, ou faites ça comment, vous? Moi, c'est une petite cage avec une trappe pour ne pas les blesser. Mm-hmm. Et puis, elles sont naïves, elles sont très, très faciles à prendre avec des friandises. Ah, bon. Oui. Il s'agit de le savoir. Et pour la vue, je sais que j'étais déjà allée faire un petit tour chez vous et la vôtre, parce que vous en avez une bien à vous, là. Oui. Vous suivez de très, très près. Est-ce que c'est parce qu'elle ne voit pas bien? Elle ne voit pas bien. Adulte, elle voit à peu près 5 pieds en avant d'elle et bébé, elle voit très peu, à peu près un pied. Ah, bon. Alors, c'est pour ça qu'elle nous suit de près et puis quand elle nous perd de vue, elle pleure. Ah, parce que ça pleure? Oui, ça pleure aussi. Mmh. Ah bon. C'est peut-être une des raisons aussi pourquoi il y en a tant de mortes sur le bord de la route. C'est que si elles ne voient pas bien, peut-être qu'elles peuvent s'aventurer puis se font frapper par les autos. Disons qu'il y a cette raison-là. Il y a aussi la raison qu'elle se fie beaucoup à sa défense. Ah. Alors, elle s'imagine qu'en arrosant, qu'elle va éloigner, mais quand on parle de l'automobile, bien, elle ne peut pas l'éloigner avec sa défense, alors elle se fie trop. Mm-hmm. Et c'est pour ça qu'elle se fait écraser. Vous en vendez de plus en plus, je pense bien. Oui. Ça peut coûter combien à peu près, là, si on va se chercher une petite moufette pour l'avoir chez nous comme un petit animal familier? Présentement, il y a quand même plusieurs prix suivant la fourrure de la moufette, la race de la moufette, comme n'importe quel chien de race ou autre. Et puis, elle se vend de toute façon entre 125 et 150 pour ce qui est de la moufette canadienne. Et la moufette importée va jusqu'à 300, tout dépend de la race. Bon. Évidemment, ils sont opérés quand vous les... Toujours opérés avec un minimum de garantie pour que l'animal soit en bonne condition quand même, avec un élevage comme j'en ai un. Oui. Vous ne les donnez pas à n'importe qui? Absolument pas. J'ai le choix de mes clients. Ah bon, d'accord. Il nous reste quelques secondes. Je voudrais juste mentionner que c'est vous qui avez fabriqué l'incubateur, parce que c'est un incubateur dans lequel vous mettez vos petites moufettes malades ou trop petites, je pense. Oui. Je vais mettre les bébés qui viennent au monde avant terme ou les bébés qui n'ont plus de mère ou les bébés que je dois enlever d'avec la mère ou qui sont malades. C'est un incubateur qui est fabriqué entièrement en acrylique, qui est à 95 % antibactéries aussi en ce qui concerne les maladies. Il est très fonctionnel, très facile d'entretien, naturellement. Les couleurs restent toujours les mêmes. Alors, disons que je fabrique aussi la grandeur de l'incubateur, les dimensions, soit sur demande ou selon ce que j'ai besoin. Mm-hmm. Et la chaleur provient de l'ampoule qu'on a dans les... Elle est chauffée par une ampoule qui... avec un thermostat pour le contrôler. Madame Bourassa, c'est déjà tout. On aura encore des centaines de questions à vous poser, mais on va peut-être laisser les gens aller vous les poser vous-même à la moufetterie. C'est parfait, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup.